Bonjour, je suis petit garçon et je vais vous mettre du souksou et je vais vous parler de mon jardin à l'extérieur. Voilà, donc j'ai rempli ma poubelle, donc après le syndrome de l'enfant en poubelle, magnifiquement joué par le personnage lui-même, le niaque, hein, voir toutes les épisodes Gaïa précédentes, hein, et Boueur Tonnens sur Google. Vous allez comprendre que toute la petite famille locale, nationale, régionale, internationale, connaît le syndrome de l'enfant poubelle. Voir mes mots acidulés caustiques, vu qu'on me presse comme un citron pour me jeter à la poubelle ensuite. Ce qui explique mes mots acidulés caustiques. Voilà, citron vert, quoi. Extraterrestre, mais à la fois citron. Donc pas tout à fait jaune, mais vert, puisqu'extraterrestre. Bon, fermez parenthèses. Vu les pressions du voisinage, que j'ai parfaitement décrit, les agents au trichot, alors, militaires, civils et DGSE. DCRI, DGSE et militaires. Voilà. Du moins connectés aux différents services. Voilà. Ce qui était très rigolo. Vu qu'ils ont foutu du round-up sur les deux seuls arbres fruitiers du jardin, les deux pêchés, quoi, entre la plaque d'égout, quoi. Enfin, la fosse septique. Vu que j'ai malgré tout, grâce à Harp, quand même, qui a balancé beaucoup d'eau, purifier la zone de tous les produits chimiques que je n'ai jamais mis moi, hein, donc depuis 2012, vu que, donc, Harp, qui joue beaucoup de musique, ça fait tomber la pluie, voilà, vu que j'ai 35 lapins, vu que j'ai mon syndrome d'enfant poubelle qui a été décalé sur l'aquaponie avec les poissons dedans, et maintenant c'est les lapins, voilà, donc, avec ma poubelle, une fois par jour, je la remplis, je tasse. Plus j'ai la forme, plus j'ai la patate, plus j'enfonce l'herbe pour en mettre beaucoup plus. Ah, voilà quoi. Équipé d'un truc pour faire un trou. Alors en Mata Atlantica, on faisait. C'était un appareil pour faire un trou dans la terre. Hein. Tu enlèves la calotte, tu fais ton caca dedans et tu remets la calotte. Très intéressant. Alors là, c'est pas pour mettre mon caca, mais. Des bouts de pommes de terre, des bouts d'ail, d'oignons. Et autour de la maison, les poulets, ça gratte tellement que les seules plantes qui survivent, ce sont les plantes subterriennes. Patates, carottes, oignons, ail, tout ce que j'ai jeté des bouts. Et les endroits où il y avait le parc animaux, où je leur ai balancé des graines, bah, ça y est, d'une année. Alors, ça prend le temps d'une année sur l'autre. Voilà, pas la première année. En fait, c'est des semences d'année sur année sur année. Et plus tu as des cycles de 1 an, 3 ans, 5 ans, là, il faut voir l'agriculture sauvage de Maître Masanobu Fukuoka, pas l'agriculture naturelle. Là, il a mis plus la main de l'homme. Là, vraiment, hein. Alors, en fait, qu'est-ce que je fais avec la main? Je remplis ma poubelle de syndrome d'enfant, non plus de poisson, mais de pâturage. Avec ma main, hein, ça veut dire... je sais pas moi, 30 kilos, 50 kilos de pâturage avec ma main, voilà, donc ça veut dire fouiller, tenir, serrer, arracher, et ça, des milliers de fois par jour. Je vais avoir un putain de gros avant-bras. Bref, et d'où ma formation terminée de impacté arraché, voilà. Là où j'ai enlevé l'herbe, je sème des petits bouts de pommes de terre, de carottes, ou même des graines directement, hein. Voilà. Et je laisse. Je laisse d'une année sur l'autre. Et depuis que je suis arrivé ici, chaque an, j'hallucine grave parce que je vois un bout de maïs dépasser. Bon, il fait pas long feu autour de la maison. Mais d'une année sur l'autre, et j'ai pris le même modèle. Alors, pour illustrer Maître Masanobu Fukuoka, ce qui est pas très évident de cerner ce personnage, vu qu'on est dans l'ère du contrôle et de l'hyper-contrôle. Donc moi, j'en ai déduit l'induction du contrôle plus fort que le contrôle. Donc c'est au bord de la route, il y a le tracteur qui ensemence tous les ans un petit peu de blé, un petit peu de maïs, on fait tout ce qui fait pousser. Et d'une année sur l'autre, entre le goudron et le fossé, c'est-à-dire un taux hygrométrique pas très régulier en été, voire quasiment sec, il y a toujours des grappes de blé ou de je sais pas quoi qui arrivent à pousser à maturité, les graines tombent. Et d'une année sur l'autre, c'est moi qui aime la vitesse, j'adore ça parce que là c'est super lent, mais les effets sont énormes. Voilà. Le jardin de petit garçon, je vais vous mettre du chou-chou.